Né à Papeete, et c'est sur les lagons de la Polynésie française que Billy Besson fait ses premières armes dans la voile. Le Tahitien, qui baigne depuis son plus jeune âge dans l'univers des multicoques et qui a soif de navigation, multiplie les expériences et les supports, passant de la course au large au catamaran léger. En 2013, lorsque le Nacra 17 catamaran spectaculaire fait son entrée au programme des Jeux, Billy persuade Maririu d'embarquer dans l'aventure avec lui. Dynamique, intuitif et enjoué, il développe avec Marie une relation fusionnelle équilibrée qui le permet de se transcender une fois sur l'eau. Lui à la barre, elle, plus tacticienne, au voile. Depuis le début de l'Olympiade, le duo s'est imposé comme la référence de sa série, quadruple champion du monde. Il s'était donné favori pour Rio. Sauf que, victime d'une hernie discale, le duo Billy-Marie finiront finalement à la sixième place, loin du podium. Une aventure qui n'entamera en rien sa détermination et son tempérament de gagneur. En effet, il est déjà reparti dans sa préparation en vue des prochains Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, avec une autre coéquipière cette fois-ci. Pour lui, tout sera prêt pour être sur la bonne marche du podium au bon moment.